Le juge d'instruction près le tribunal de Béjaïa a ordonné le placement en détention provisoire du principal mis en cause dans une affaire de déclenchement d'un feu à la forêt d'El Hammam, à Béjaïa, a annoncé un communiqué du parquet. Selon le communiqué, deuxième mis en cause a été placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire. Le parquet a expliqué que l'incendie s'est déclaré le 16 juillet 2024 à la forêt d'El Hammam dans la commune de Boukhelifa, Daïra de Tichy, Wilaya de Béjaïa et que l'enquête préliminaire a permis l'arrestation de deux mis en cause, qui ont été présentés le 18 juillet 2024 devant le parquet. Le parquet précise qu'une instruction judiciaire a été ouverte à leur encontre pour mise à feu volontaire de choses ayant entraîné la propagation du feu aux biens publics et privés, conformément à l'article 139 de la loi relative aux forêts et aux richesses forestières. Après avoir auditionné les mis en cause, le juge d'instruction a ordonné de placer le principal mis en cause en détention provisoire et le deuxième sous contrôle judiciaire, conclut le communiqué. Trois jeunes Algériens lâchés par la foule en Espagne. Dans le quartier de Molinar à Palma, en Espagne, trois jeunes Algériens ont été victimes d'une tentative de lynchage par une foule en colère, dans la soirée du 16 juillet.